Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 9 de l'Empire de MDJ. Un let's play sur un vieux jeu de qui est sorti sous Windows 98 et qui s'appelle César 3. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'atteindre les 2000 citoyens qui nous manquent afin de passer au niveau suivant. Donc on a la faveur, on a la paix, on a la prospérité. Il nous manquera la culture qui viendra plus tard, hein, il n'y a pas de souci. Là l'objectif ça serait de faire une énorme zone. Énorme zone résidentielle avec tout en tenant compte évidemment du taux de chômage. Voilà, on va gérer tout ça. On va voir comment ça se présente. Donc on va tenter ça. On va tenter une énorme zone. Je commence déjà par importer l'eau, comme ça sera fait. Voilà. Un dernier réservoir ici. Comme ça. Ok. Hop. On va essayer de faire une énorme zone ainsi. La carte de l'eau. C'est bon, tout est couvert, donc c'est parfait. Je pense que régulièrement ainsi, ça devrait le faire au niveau de la flotte. Hop, voilà, jardin. Donc niveau financier je suis à 43 000. Même à 43 500. Ouais, je viens de passer à 42 000 avec les plaza. Préfecture alors. Marcher, hop, 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 ah. Les petits temples qu'on va mettre à l'effigie de Vénus. Vous voyez qu'on va, facilement. Atteindre tous nos objectifs.
J'espère seulement c'est que ça va tenir, évidemment, comme toujours. D'être sûr que la couverture est bonne. Ok. On mettra des industries à tout ça, hein, bien entendu, c'est prévu. Ah, les forums, évidemment. Je pense déjà que là, on peut voir déjà ce que ça donne. On va mettre à 90%, on va suivre l'évolution de cette affaire. À 40 000 en argent, on vient de passer les 3100 en population. Je tenterai bien quand même d'accélérer à 100% pour voir ce que ça donne. Allez, on va accélérer à 100%. Excusez-moi, j'ai oublié encore de lancer mon chrono. Je le règle sur 25 minutes parce que je pense que c'est le temps qui est passé. Ok, excusez-moi, voilà. Alors, vitesse 100%. 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000. Commerce florissant. On exporte de l'argile. Ah oui, non, oui, on en importe de l'argile, autant pour moi. 4300. 4400. 4500. Et ça commence à griller. Donc on va ralentir. On va se mettre à 90 et on va gérer l'affaire. Là, alors, on va déjà voir un petit peu ce que donne la prospérité et tout ça. La prospérité doit pas être très élevée, voilà, je m'en doutais. Ça, c'est à cause des nouveaux logements qui sont pas extrêmement élevés, mais ça va remonter. Hein. Voilà, elles sont déjà en train d'évoluer. On va mettre les platas sur les marchés qui manquent. Ça va coûter 1900, mais bon, c'est bon. Je suis à 47 000, donc c'est bon. On est largement bon au niveau de l'argent. Les comptes tiennent. Les comptes tiennent.
va essayer quelque chose. Ah oui, je voulais voir un truc. M'en douter. Ok, donc ça on va changer ça. C'est pas dans l'entrepôt que je dois faire. Va chercher les liens, les biens, mais dans les greniers. Donc lui, il va plus chercher les biens. Et on va le spécialiser dans. On va bien voir. On va bien voir de quoi on a besoin. Ici, ça s'est effondré. En quoi j'ai des problèmes? Donc j'ai des soucis en olive. Là il y a un camp de bûcheron qui s'est effondré. Donc j'ai des problèmes avec les olives. Non, pas lui. C'est lui. Dans ce cas, on va accepter les olives. Voilà. On devra réussir à mieux alimenter notre population. Bien que l'entrepôt de toute façon va se vider. La peste. Oh, c'est dans la... Des meubles, on a tout ce qu'il te faut, César. On a tout ce qu'il te faut, ça change pas. Ça y est, ici ça a évolué donc. Je vais commencer à cramer. Ça, j'avais vraiment pas besoin de ça. Bon, vous êtes en santé parfaite. Allez-y, on va voir comment ça se présente. Ils sont combien les mecs? Oh, ils sont deux, c'est bon, ça fait la fin. Voilà, hop, même pas besoin de se déplacer, les mecs ils se sont fait défoncer par les tours. Dans la joie et la bonne humeur. Bon. C'est quoi ça? C'était un quai. Bah ouais, il n'y a pas de médecine ici. Ah si, il y a... Mais oui, c'est vrai que le... Clater est un petit peu loin. On va la mettre là. Bon. Qu'est-ce que les plus évolués et civilisés d'entre vous ont besoin de poterie? Ça va venir, chacun, ça va venir. Donc, et ben ici, tout simplement, on va recréer un nouvel entrepôt.
This basket is killing me. I don't care who needs the food. Donc il leur faut quand même des dispensaires et des hôpitaux, mais... Tout ce qu'il te faut, César, tout ce qu'il te faut est ici. Explique-moi. Je viens de poser des dispensaires. Comment est-ce que ils peuvent tomber malades, les mecs? Bon, il y a quelque chose qui va pas. Je suis tombé à 3700 en population. Donc, j'ai une immigration massive là. Oh bah bien sûr, cramer mon forum, mais pas de soucis. Bon, quoique... Je n'ai que 15% de chômage, je suis à fond dans le positif au niveau de mes finances. Franchement, tout se passe bien, j'ai juste un problème de nourriture. C'est tout ce qu'il me manque, c'est juste la bouffe. Et pourtant, voilà la quantité de cake que j'ai. On va en poser partout où on peut, mais bon. Ici, de toute façon, je suis sûr que ça arrive à rien. Ici. Je tente le coup, hein. Ah oui! Voilà où je peux me faire de la bouffe encore. Voilà où je peux me faire de la bouffe, de la population. Déjà rien que ça, déjà, je suis sûr que... on va se faire une petite zone comme ça.
On va tenter un truc, ça me coûte cher, mais un truc que j'aime bien faire. Même si ça coûte très cher. Oh, ça va me coûter que 3000, ça va. Voilà, j'ai mis toutes les rues en platin, comme ça, peinard. Et au moins l'attrait de ma ville, je sais qu'elle est importante, comme ça. On va leur mettre tout ce qui leur faut hein, pour qu'ils soient heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement, pas grand-chose. Par contre, j'ai un fort qui se remplit pas. De rien, ce sont des forces en moins. Donc... La ville consomme plus de nourriture qu'elle en produit. T'en fais pas, en v'là de la bouffe. Donc il y a ici, et puis pareil, il y a là. Ici que je peux produire également énormément de, enfin énormément, une quantité assez importante de nourriture. D'accord, apparemment faut... Ma petite pêche bloquée. Quoi, c'est bloqué où? J'arrive, j'ai fait un pont sur élevé exprès. What? T'as vu la gueule du pont là? T'es sérieux? Jusque là-bas. Ça sert à rien. Apparemment, je suis obligé de passer par l'île en bas pour. Là, oui, après. Bah oui, il y a comme ça aussi. Allez, on tente comme ça. Écoutez, je fais une petite pause et puis je vous retrouve d'ici quelques minutes. Pas quitter l'Empire, c'est bien. Ok. À tout de suite. Ok, donc nous retrouvons. Donc je termine ce que j'ai commencé. Donc on va mettre. Ok, j'espère qu'ici ce sera bon. Non, bon, tant pis. Que je n'ai absolument pas pensé que je vais peut-être remettre au ralenti quand même parce que j'ai pas envie que tout s'effondre en même temps que je construis. Là, franchement, avec la production de poissons que je prépare, déjà en plus le chômage, comme ça je suis sûr de plus me poser de soucis.
Faudrait peut-être que je mette quand même des entrepôts entre sur chaque île pour être sûr. Pour être sûr du truc. Ok. Ouais, on doit être assez loin quand même de. J'aimerais bien voir quand même si le réservoir couvre bien tout. Je sais, je deviens un peu parano avec les éboulements et les. Enfin les écroulements et les incendies, mais bon. J'aimerais bien qu'il s'active le. Voilà. Est-ce que. Non, ça va pas. Bon. Ça va pas. Voilà, et là au moins je suis sûr que je peux mettre un peu de population. On va pas en mettre énormément, on va juste mettre voilà de quoi. Hop. Parce que j'ai un doute au milieu s'ils seront bien abreuvés, donc. Juste à marcher et puis un petit temple pour leur faire plaisir et puis c'est tout. Bon, 4200 de population. Et puis, vous savez quoi? Ça fait 4 épisodes là, qu'on est sur cette mission-là. Donc, comme quoi, comme je disais au début, qu'une mission pouvait durer 2 heures. C'est ce qui est en train de se passer. Et je suis même sûr qu'on y est encore à l'épisode prochain. Non, pas vous. Waouh! Envoyez du monde, envoyez du monde, envoyez du monde. Je sais pas où ils étaient, mais ils étaient dans la ville là. Vu les dégâts que j'entendais. Apparemment, il n'y a pas de dégâts. Mais c'est vrai qu'en plus, les mecs ils sont pas loin, ils apparaissent ici donc. Donc cette zone là est un peu dangereuse donc j'ai intérêt à réagir très vite en cas d'attaque. Bon. Je vais avoir des résultats des. Oula, eux ils sont faibles en. Ah ouais, ils se sont fait dérouiller un mec. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ce qu'il y a à côté. Le théâtre, ok. À la vitesse. Bon. Bon, ça fait deux fois que ça s'écroule ici, ça commence à me casser les rouleaux. Ah,
Oh, mais des spécialisés dans le poisson qui se sera redistribué à la population de toute façon. Ici pareil. Oula, c'était quoi ça? Un théâtre. Bon, on passerait de théâtre, tant pis. Avec qu'à faire attention. Entre. Ok, donc apparemment les ponts emmerdent quand même mes bateaux. Les armes. Ok. Bah écoutez, cet épisode est terminé. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Juste un petit point sur mon argent et sur ma population. Je suis actuellement à 114 000 en argent et à 4 344 en population. Donc voilà, donc juste également un dernier petit point, si mes conseillers veulent bien, sur la culture, la prospérité et la paix dans mon... dans ma cité. La prospérité, il me manque juste 4 points et la culture, il me manque 11 points. On se basera peut-être sur la culture au cours de ce prochain épisode. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt.